le mic et l'enclume. Et on va pas du tout relever le niveau en allant en France pour parler d'un rappeur français qui s'appelle Lorenzo et dont l'album a un titre magnifique, Rien à branler. Ouais, ma mère. Donc là, je crois qu'on est tout de suite, ça va mieux. Hein. Bah, ça s'entend hein, qu'il en a, qu'il en a pour le coup rien à branler. Quand alors Lama, il en a rien à branler. Présente ça. Un peu de calme, s'il vous plaît, dans la foule. On s'entend garçons, plus s'engueuler là. On s'entend plus s'engueuler. C'est un gars, m'amène avec c'est son béret, m'amène. Un René. Avec sa qui visière, m'amène. Voilà, c'est m'amène. Et qui a sorti un son sur YouTube en 2016 qui a fait un espèce de buzz énorme. Buzz, j'aime pas dire ce mot, mais je l'ai dit. Freestyle du sale. Hein. C'est l'empereur du sale. Hein. L'empereur du sale. Hein. Il a fait 52 millions de vues ce son parce que le mec est par complètement vrille. Il a commencé avant, mais sur le nom Lorenzo. Le exactement. Il a commencé avant, mais sur Lorenzo, avec ce personnage-là qui s'est construit, qui est un espèce de mec avec un Bob Pikachu. Moi, le look du mec de Las Vegas Parano, là, je sais plus comment il s'appelle. Hunter Thompson. Voilà, qui a ses lunettes. Version de Johnny Depp. On connaît ses qui classiques. Qui est complètement drogué, qui fait des énormes. Enfin, dans ses clips, il fait des énormes joints. Jérôme Larsen, il est raciste. Voilà. Ce mec est sale. Il est très très sale. Il fait que du sale. Mais en même temps, c'est très très. Moi, ça me fait marrer. Ah. Parce qu'il y a un morceau qu'on d'ailleurs, a là. On va écouter le premier morceau. Sucer la bite. Exactement. Pareil que tu veux sucer ma bite. Ma bite, tu peux la sucer. Ya, ya, ya. Y'en a qui veulent sucer ma bite. Ya, 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 ya. Si t'aimes la bite, tu peux la sucer. Ya, ya, ya. Voilà. Vous êtes bien sur Arte Radio. Alors attends, tu veux savoir, ce mec a été interviewé sur Trax l'année dernière, il n'avait pas encore sorti cet album, et dans l'émission de Trax, il a fait écouter ce son. Ah. Et donc d'ailleurs ce son-là, il l'a fait écouter à des vieux dans la rue, il a filmé ça pour en faire un clip, il y a des vieux à qui il met le casque, et t'as des vieux qui sont là, sucer la bite. Et voilà, ça c'est Lorenzo, donc il fait des trucs comme ça. Non, il est raciste, il dit quand même beurette. Hein. Beurette, non, porno, c'est pas... beurette, c'est oh, assez c'est raciste. Pas raciste. Oh là là, on va c'est pas rentrer raciste. Dans ce débat-là, on n'a pas le si temps. Si la marche des beurs, alors était raciste, alors le mot non, beurre... Non, on va pas rentrer là-dedans. Non, c'est on va pas rentrer dans ce débat. Les beurettes dans le porno, c'est raciste. Je suis d'accord avec toi. Donc voilà, donc moi, il me fait un peu penser à Vald il y a très longtemps, sauf que je ne sais pas... Il a un morceau avec lui qu'on va écouter tout à l'heure, mais je ne sais pas s'il va arriver à aller à trouver son gze de Vald, de Vald, parce que ça veut dire Dieu pour lui. Je ne sais pas s'il va y arriver, s'il va avoir son Agartha, parce que là, pour l'instant, rien à branler. Ça s'écoute en rigolant. Moi, je me suis vraiment tapé des barres de rire en l'écoutant. Mais j'ai peur qu'il tombe trop dans ce personnage-là, qu'il n'en sorte jamais. Voilà, moi, c'est ma petite crainte, comme à chaque fois quand on a un personnage. Concernant ce mec-là, ce qu'il fait, c'est du troll rap. C'est du troll rap. Il en a rien à faut pas le prendre. Déjà, c'est... il en a rien à branler. Il est pas sérieux. Il en a clairement rien c'est à branler. C'est écrit dessus, hein. Il n'en a rien à branler. Il en a clairement rien à branler. C'est pas comme s'il y a un héros par surprise. Quand ils ont encore l'empereur du sale, c'était drôle, tout ça. Mais c'est drôle, mais c'est mais pas... là, quand j'ai écouté cet album, j'ai trouvé ça moins drôle, tout ça. Non, il m'a fatigué. Il en a rien à branler. Mais moi aussi, j'en ai rien à branler de son album. Il m'a fatigué. Non, mais c'est de la critique de vol. Merci. Merci, Mo. Bravo. Mike. Le pire, c'est que s'il s'y mettait un petit peu sérieusement. Bah, ça serait pas mal. S'il s'y mettait un peu sérieusement, il pourrait faire de l'ombre à pas mal de gars. Parce que même comme mal. Ça, là, avec son. Il serait meilleur que Jules. Il y a des mots qu'on prononce pas, ok. Non mais même comme ça là, j'ai du respect. Que... On essaye que cette émission sur le web. J'ai du respect pour Dieu. Même comme ça, c'est vrai mais que moi aussi, tu sais je trouve qu'il pose pas mal. Je trouve qu'il pose pas mal, qu'il a un petit flow. Mais là, c'est plat. C'est un rap tellement plat, c'est tellement dégueulasse. Un petit coup du sale, c'est sale. Mais il a réussi. Bizarre. Pour les enfants dans 10 ans, ça sera nous le rap conscient. Pour les enfants dans 10 ans, ça sera nous le rap conscient. Suspect TN, mange tes BN, violent comme des BZ. Faire comme des Z, pop la Marie, même la Madeleine, pas la LNE. Pas la LN, tu fous la haine comme bande FM. Ou le FNK, bah de chaîne sur le BZ. Je propage le virus et je vends le vaccin, je suis machiavélique. Ok, ouais. Bon. Ouais, il a relevé le niveau. Le feat de Vald relève le niveau. Ah ok, c'était Lorenzo, rien à branler, ce qui est vraiment quand même la plus belle déclaration, tu vois, de quelqu'un de riche au moment des vacances, quoi, je sais pas, c'est un peu, ça sent le 14 juillet. Et dire ça sur Arte Radio, c'est génial. On s'en va, t'as la grande classe.
Le son et la prose, la prod et le fond, le lourd et le balourd, c'est tous les mois sur Arte Radio et en public au FGO Barbara à la Goutte d'Or devant une foule nombreuse et totalement surexcitée.